Allez, dixième. Quel lycée? Alors on attend, on vient de voir la finale, messieurs. Plutôt les demi-finales. Là on va à la finale des filles. Donc j'espère qu'Erika fera quelque chose. Est-ce que c'est qualifié? Bravo! Ça va! Yeah, il fait 11e le gars, c'est pas loin. T'as fait combien? J'ai fait 50 ans, mais on s'est arrêté. Ah, casque de Patty, elle a aussi fait un crash. Hein? Et elle a pas peur. Ah, qui n'a idolone? Millimètre, hein, arriva, en las dos primeras de arriba o así, tío, he pegado dos cagadas que se me iba adelante. No, tío, no, neumático, se me iba adelante. No, tío, no, tío. Bueno, el tiempo está en el tiempo por el trayectoria.
perfecto. Pero créetelo, Vale. Tu vois que je t'ai. Oui. Mes félicitations, Gus, pour ta première. Bravo. Merci. Parce que vraiment, quoi, c'est du lourd en bas. Ah, mais toujours, toujours. Es fácil. ¿En Argentina? Sí, sí. Gracias, pero es fácil el tri-track, ¿no? ¿Eh? Es fácil el tri-track, ¿sí? Sí, sí, es fácil. Un poquito. ¡Yepa! Muchas gracias por todos, amigo, amiga, brother. ¡Yepa! Sí, sí, merci beaucoup, vraiment. Et alors Gus et Axel, ben, ils se sont surpassés, mais il y en a un qui a surpassé tout le monde. Et là, je le dis bravo, mon cher Joris, car en fait là, t'as été le représentant digne de Vincent. Donc, muchas gracias, mi amigo. Et alors, pour la traduction, en fait, ben, je me suis retrouvé en reverse, hein, j'ai fait un tonneau. Le cadre arrière plié en deux. Faut dire que bon, voilà, j'essaie de survivre avec ce que j'ai, n'est-ce pas? Il y a du bon quand même, parce que je me suis aussi surpassé, je fais un meilleur classement que l'année dernière, mais j'étais pas du tout venu pour faire de la race, et au final, I love Andorra, I love this track, I love you.